Mes amis, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Starlink Network, qui est un site internet qui vous permet de générer des USDT tous les jours. Alors, ce genre de site, vous les connaissez, ils sont nombreux et j'en présente régulièrement d'ailleurs sur cette chaîne. Donc, je vous invite simplement à vous abonner à la chaîne, à rejoindre mon canal Telegram, mon groupe Telegram. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas vraiment à nous rejoindre de l'autre côté sur la chaîne YouTube et la chaîne Telegram et le canal Telegram, c'est-à-dire le groupe Telegram et le canal Telegram. Alors, ce site, pour pouvoir démarrer, vous cliquez sur le lien en description de la vidéo, vous mettez votre adresse email, votre mot de passe et vous répétez le mot de passe. Vous cliquez sur register. Je rappelle que si vous n'êtes pas intéressé par les opportunités d'investissement, ce n'est pas obligé. Parce que chaque fois qu'il s'agit d'investir, vous devez faire vos propres recherches, vous devez analyser l'opportunité et vous devez toujours savoir que l'investissement est risqué et vous n'investissez que ce que vous êtes en mesure de perdre. Je rappelle, on n'investit jamais ce que l'on n'est pas en mesure de perdre. On n'investit pas ses économies, surtout dans ce genre de site. Alors, une fois que vous avez fini de vous inscrire, vous êtes connecté. Ok, donc là, vous êtes sur le site. Et une fois que vous êtes connecté maintenant, vous pouvez voir ici, vous avez en fait les différentes sections qui sont là. D'accord, la section de recharge, la section de Lucky Draw, la section de retrait qui est ici. Alors, ce que nous allons faire premièrement, puisque j'ai parlé d'un investissement où vous allez en fait générer des gains chaque jour. Vous avez plusieurs plans d'investissement. Le plan d'investissement où vous gagnez 5% par jour, 7%, 13%. Je pense quand même que le site est un peu fiable. Un peu fiable, je le répète, ça c'est moi qui fais mon analyse, c'est pas vous. Chacun fait son analyse à son niveau. Vous avez déjà un site qui donne quand même un taux relativement bas, 4%, 5%, c'est pas mal. Contrairement à des sites qui proposent 15%, 20%. Je crois que ça suit un peu une logique. Alors, ça, c'est moi, mon analyse. Maintenant, pour investir, vous cliquez sur Recharge. D'accord? Et vous allez choisir le type d'investissement que vous voulez faire. Donc, vous devez déjà mettre vos informations. Voilà. Et tout. Parce que c'est des choses qu'on vous demande. Donc, vous devez mettre ces informations-là pour pouvoir faire la recharge. Donc, voilà. On dit de mettre vos informations pour vous authentifier d'abord. Ça, c'est la première étape. Donc, vous mettez votre nom et voilà, votre nom complet, votre nom d'identifiant et votre numéro. Bon, bref, je pense que là, c'est le numéro de téléphone qu'ils sont en train de demander. Donc, vous mettez vos informations. Donc, ici, vous mettez votre nom. Là, vous mettez votre ID. Vous mettez maintenant votre nom de et votre numéro de téléphone, voilà, votre bancaire, votre numéro de compte bancaire. Bon, ce n'est pas réellement ça. Vous pouvez mettre juste quelque chose là pour continuer. D'accord, vous n'êtes pas obligé de fournir vos informations réelles parce que vous ne savez pas l'intention du propriétaire du site. Donc, pas forcément, ne mettez pas votre numéro de carte bancaire. Mettez des informations simplement pour passer cette rubrique. Donc, une fois que vous avez fini de remplir ces informations, maintenant, vous allez cliquer sur Recharge. D'accord, et là maintenant, on va vous permettre de copier votre adresse USDT pour faire le dépôt. Je rappelle au niveau de la session information là, ne mettez pas vos vraies informations, pas obligé, ne mettez pas les informations de votre carte bancaire ni quoi que ce soit. Mettez juste un nom, votre nom peut-être, mais pas votre numéro de carte bancaire. Moi, je ne vous conseille pas ça. Alors ici, le minimum à investir c'est 10 dollars, donc je vais mettre 10 USDT. Je choisis USDT. D'accord, TRC20. Ok, je clique sur Recharge. Donc, on va me générer en fait une adresse sur laquelle je vais faire l'envoi. Donc, je vais copier ici. Voilà, c'est précisé USDT TRC20. Donc, je copie l'adresse. Donc, là, je clique sur Envoyer. Je colle l'adresse. Je mets les 10 USDT et je confirme l'envoi. Là, on clique sur Confirmer. La transaction va être confirmée. Et l'argent va être envoyé directement sur notre compte. Alors là, on va attendre que l'argent arrive sur le compte. Donc, puisqu'on vient de l'envoyer. Et une fois que c'est fait, voilà. Donc, c'est bien écrit. Your order has been paid. Donc, nous venons de recevoir notre 10 dollars sur notre compte. Là, c'est très intéressant. Alors, nous allons revenir maintenant sur la page d'accueil. Après 24 heures, vous revenez maintenant sur le site. Vous venez ici. Vous allez cliquer sur Withdraw. Vous allez cliquer sur Withdraw.
D'accord. Vous cliquez sur withdraw ou bien retrait. Vous cliquez sur add USDT. Vous allez choisir ici d'abord de mettre votre adresse USD, votre adresse et votre mot de passe plutôt. Vous mettez votre mot de passe que vous avez mis au début. D'accord. Donc vous créez un mot de passe de retrait bien sûr. Donc vous cliquez et vous sauvegardez. Donc mot de passe sauvegardé avec succès. Maintenant, on va choisir le type. On va aller copier notre adresse de retrait. On clique ici sur USDT. On copie l'adresse. D'accord. On copie. On revient ici. On colle l'adresse là. Donc, on va mettre TRC20. Ici, on va mettre TRC20. Et là, on va mettre l'adresse du wallet. Donc, on soumet. Donc là, l'adresse est bel et bien soumise et liée. Donc ça, c'est très très important. Maintenant, nous allons mettre ici notre montant. Le montant qu'on veut retirer qui doit s'afficher ici sur notre balance. Donc dans quelques instants, eh bien, notre montant à retirer sera disponible là. Et nous allons venir l'ajouter, mettre les informations, notre mot de passe de retrait. D'accord? Et choisir et mettre le montant. Puis procéder au retrait. Le montant, on va dire 0.4 k et là, on va directement en bas ici. On clique sur. Donc on vient sur Withdraw ici, on met le montant à retirer. Donc on met le 10.4. Et là, on met notre mot de passe. Donc là, c'est effectué. Et comme vous pouvez le voir, c'est un coût. Donc c'est un coût de traitement. On attend que ce soit envoyé. Donc vous pouvez ensuite partager le lien du projet avec d'autres personnes. En venant ici pour copier en fait votre lien de parrainage. Cliquez sur Invite Friends ici. Donc du coup, vous pouvez copier le code QR. Vous pouvez scanner le code QR et leur envoyer. Ou bien leur envoyer le code de parrainage directement. Voilà, donc on va voir si c'est arrivé sur le sol ici. On va essayer de rafraîchir. Voilà, donc c'est ça. Ça vient juste d'arriver. Vous voyez là. Super, donc c'est arrivé. Et voilà, donc c'est comme ça qu'il faut procéder pour pouvoir vraiment. Récupérer, générer de l'argent avec ce site internet. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. On se dit à très bientôt. Ciao.